Bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le son zzz. C'est le son de ma petite abeille. Zzz. On peut l'écrire de deux façons. Première façon, avec un Z. On le retrouve dans quelques nombres que tu dois connaître par cœur. Par exemple, dans 0 et puis la série 11. 12, 13, 14, 15 et 16. On le retrouve aussi dans d'autres mots. Zorro, une dizaine, un trapéziste, le zèbre, le chimpanzé ou le lézard. Le son Z peut aussi s'écrire avec un S, lorsque le S est placé entre deux voyelles, A, E, I, O, U, Y, E ou E. Par exemple, dans fraise, il est placé entre le I et le E. Dans maison, entre I et O. Dans arrosoir, entre deux O. Dans musique, entre U et I. Dans oiseau, entre I et E. Ou bien dans trésor, entre E et O. Rappelle-toi bien, pour écrire le son Z, deux possibilités. Le Z, comme dans Zorro, ou le S entre deux voyelles, comme dans fraise. À bientôt!